Quelle est cette femme? Vous avez une idée? Il s'agit de Henriette d'Angeville, la femme qui a grimpé le sommet du Mont Blanc en septembre 1838. Vous pouvez remarquer, même si ce n'est pas la pure réalité, sa tenue vestimentaire qui a marqué les esprits de l'époque. Elle n'était pas seule, des guides l'accompagnaient dans son ascension. L'équipement était des plus rudimentaires. Des échelles en bois permettaient de franchir les crevasses. D'après les ouvrages connus, cette peinture peut aussi bien représenter le passage d'une crevasse au grand plateau ou le mur de la côte, des endroits qui permettaient de rallier le sommet du Mont Blanc. Mais saviez-vous que Henriette d'Angeville n'était pas la première femme à gravir le Mont Blanc? La pionnière était Marie Paradis, qui avait réalisé cet exploit 30 ans plus tôt, le 14 juillet 1808. Si vous désirez admirer cette peinture, nul besoin de vous rendre dans un musée. Cette fresque est peinte sur la façade d'un immeuble, 1 rue du Mont Blanc à Annecy, à proximité de la place du Général de Gaulle.